Bienvenue sur DEMZ TV, une semaine d'actu où nous allons débriefer l'actualité de cette semaine au niveau régional mais aussi national. C'est l'essentiel de l'actualité que vous allez voir et c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue donc sur DMZ TV sur une semaine d'actu. Nous allons donc débriefer l'information de cette semaine. Et on commence par cette information sur la SNCF. Et depuis une semaine, la CFDT Cheminots dénonce des problèmes de sécurité, de vol de câbles sur les voies de TER passant près d'un camp de Rome à Lille, ainsi que l'absence de mesures prises par la SNCF. Cette ligne de TER très fréquentée entre Lille, Lens et Béthune, pendant la période des fêtes, a été marquée par des vols de câbles significatifs, avec comme conséquence une panne de signalisation obligeant les trains à ralentir. Cette situation concerne une portion de voie d'environ 2,5 km, proche du quartier de Lille-Sud, là où se trouve l'important camp de Rome. Voyez ce reportage tout de suite de France 3 Nord-Pas-de-Calais. L'image est surréaliste. Ces femmes discutent en plein milieu de la voie ferrée. Cela se passe à deux pas du camp de Rome installé sur une friche industrielle de l'île sud. La ligne ferroviaire entre Béthune et Lille se termine ici. Les conducteurs de la SNCF déplorent des passages permanents sur cette voie très fréquentée par les TER et les trains de fret. Vous allez sur place, vous voyez toujours les gens passer. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sécurisé. Les voyageurs, les marchandises, les agents qui vont sur place sont toujours dans l'insécurité. Les Roms eux-mêmes sont en insécurité. Alors on attend quoi, l'incident ? Je comprends pas bien. Un autre problème complique le travail des cheminots. Des vols de câbles ont eu lieu sur le même secteur durant les vacances scolaires. Depuis le 2 janvier, des ouvriers s'activent pour remplacer 700 mètres de câbles et les protéger contre d'autres actes de ce type. On a eu 10 vols de câbles entre le 21 décembre et le 31 décembre à peu près. Donc des câbles coupés essentiellement, des dégradations sur des installations de signalisation. Et donc on a dû, de barre déjà, repérer l'endroit où ça a été coupé et réparer les éléments les uns après les autres. Ces perturbations obligent les conducteurs de train à passer au ralenti sur cette zone à risque. D'où des retards de 10 minutes au moins sur la ligne Lille-Béthune. La situation dure depuis le 21 décembre et les usagers prennent leur mal en patience. Au matin, ça va, il passe bien à l'heure, mais c'est au soir. On est bien rentré aussi chez soi à l'heure aussi. On est tributaire du train pour venir au travail tous les jours, donc voilà. Face au problème, la préfecture a mis en place un groupe de travail technique avec Réseau Ferré de France, la police et la SNCF. Un retour à la normale est annoncé pour lundi, mais des retards moins importants sont toujours à prévoir. L'affaire Gérard Depardieu, dont on ne manque pas les épisodes tumultueux. Il a donc obtenu un passeport russe des mains de Vladimir Poutine, qu'il a rencontré. L'acteur en conflit avec les autorités françaises depuis fin 2012 s'est rendu au Monténégro et a rencontré le Premier ministre ce mardi. Et il s'est exprimé devant la presse. On l'écoute. Je ne dois rien à l'État français. J'ai pas attendu d'avoir 64 ans pour changer d'État. Car quand je pense qu'à mon âge, je serai obligé de payer 87% d'impôts, j'estime que c'est irresponsable de la part d'un État. N'allez pas croire que je fais une collection de passeports. Je suis un citoyen du monde. Je ne cherche pas à avoir toutes les nationalités. J'aime les pays que je traverse et j'ai l'opportunité et la chance d'avoir des amis qui sont premiers ministres. Combien seront-ils venus de toutes les régions de France et même de l'étranger à battre le pavé parisien ce dimanche pour cette première manifestation nationale contre le texte de loi contre le mariage pour tous ? Sans avancer de chiffres, les organisateurs espèrent faire au moins aussi bien que les 300 000 anti réunis le 17 novembre et les 8 et 9 décembre derniers. Plus de 1000 autocars ont été affrétés et 5 rames de TGV privatisés. Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman, c'est le modèle qui marche. Ça me paraît vraiment très risqué de tout bouleverser comme ça. Et
Donc c'est pour ça que je me bouge, que je me lève à 4h30 du matin alors que je suis en partiel. J'ai vraiment pas que ça à faire. Mais je trouve ça important de se lever tôt pour que ces convictions. Les Français, je pense, sont en train de réaliser qu'il faut prendre au minimum plus de temps pour y réfléchir avant de légiférer. Donc ça, d'une certaine manière, on peut dire que c'est une victoire pour les opposants à ce projet de loi. Et toujours sur le mariage pour tous, plus étonnant, une association gay participera à la manifestation contre le projet de loi. Écoutez le témoignage du fondateur de l'association Gay sans mariage. J'ai décidé avec plusieurs amis de monter l'association Plus Gay sans mariage pour rendre la liberté de parole à la communauté homosexuelle qui était enfermée dans ce discours prôné par les pro-mariages pour tous. Nous étions à Nancy avec Frigide Barjot il y a une semaine, dans le cadre de la Manif pour tous, une réunion organisée par la Manif pour tous. Les CRS ont été obligés d'intervenir parce que l'extrême gauche et les militants LGBT sont venus dans l'objectif de nous casser la figure. François Hollande confirme le soutien de la France au Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest pour lutter contre les terroristes du Nord. Le président de la République s'est exprimé hier soir en direct de l'Élysée. On l'écoute. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui, de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6 000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Les soldes d'hiver ont commencé ce mercredi, avec comme d'habitude énormément de monde à l'affût des bonnes affaires, source d'affluence comme ici vous le voyez aux galeries Lafayette à Paris. Tous les ans, on a une belle croissance sur le phénomène solde. L'année dernière, en janvier, on avait fait 4% de croissance sur des chiffres très importants. Donc cette année, à nouveau, on espère qu'on va faire mieux. Le premier jour dans la première heure, c'est l'accessoire qui est très intéressant parce que toutes les pièces rares, qui sont souvent soldées à 50%, disparaissent tout de suite. Les clientes sont venues les repérer dans les jours précédents. On les a vues courir à l'ouverture des portes du magasin et elles sont en train de les acheter. Plein de queues partout pour tout ce qui est marque de luxe, donc faut attendre, faut pas se décourager. Aujourd'hui, ça avance pas du tout vite, vraiment, ça fait trois quarts d'heure que je suis là et il y a juste 6 personnes qui sont rentrées, donc ça devient énervant. Je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir venir et pour pouvoir profiter des soldes en même temps que tout le monde. Et une autre image du début des soldes, tout aussi remplis de monde, à l'ouverture d'un magasin à Villeneuve-d'Ascq. Vous le voyez, des bousculades pour être le premier à trouver la bonne affaire. On termine ce tour de l'actu avec deux images assez sympathiques. Tout d'abord, dans la région, une très belle découverte, celle d'un dauphin à Boulogne-sur-Mer. Il s'est aventuré jusqu'aux abords du port de plaisance. Selon un spécialiste de Nausicaa, non loin de là, il s'agissait d'un dauphin commun. C'est l'espèce de dauphin la plus abondante, mais son observation reste rare dans les eaux de la Manche. Deuxième image cette fois-ci, on part en Australie. Un kangourou qui avait envie de voir du pays s'est perdu dans un parking de l'aéroport de Melbourne, c'était lundi. Les policiers ont tenté, vous le voyez, d'attraper ce mâle de 3 ans sans succès.
un officier spécialisé dans les animaux sauvages a dû donc intervenir. L'animal a été endormi à l'aide d'un pistolet chargé avec du tranquillisant, mais il a ensuite été bien évidemment relâché. Allez, un petit coup d'œil sur les prévisions météo maintenant, qui font aussi partie de l'actu ce week-end, car nous attendons l'arrivée du froid et de la neige. Quoique le froid est en train tout doucement de s'installer, regardez plutôt les cartes. Demain, de 0 à 3 degrés, et pour le soir, on attend de moins 4 à 0. Il y aura quelques averses de neige possibles, mais les éclaircies reviendront dans l'après-midi. Pour la journée de lundi, forte gelée généralisée le matin avec un ciel plutôt calme avant l'arrivée d'une perturbation à suivre, car on craint de fortes chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi. Une perturbation, vous le voyez, que l'on retrouve pour cette journée de mardi à surveiller donc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'essentiel de l'actu de cette semaine. Un grand merci à vous tous de nous suivre via Facebook, Twitter et YouTube. Grand merci pour votre confiance. Excellent week-end à tous et à très bientôt.